Une phrase que j'aime beaucoup et qui représente très bien le deuil périnatal, c'est que la peine ne se mesure pas au nombre de semaines de grossesse ou à la durée de vie d'un enfant, mais plutôt à la grandeur du rêve que portaient en lui ses parents. Donc que les parents aient à vivre la perte de leur enfant à quelques semaines de grossesse, à la naissance ou dans les premiers instants de la vie, il reste que les parents ont perdu un enfant qui faisait déjà partie de la famille, un enfant pour qui des projets avaient été dessinés et surtout un enfant qui était déjà aimé. Bien que le deuil périnatal touche environ une grossesse sur 5, le deuil périnatal, c'est encore un sujet tabou aujourd'hui. Malheureusement, c'est banalisé encore aujourd'hui dans notre société. Le 15 octobre de chaque année, c'est la Journée mondiale de la sensibilisation au deuil périnatal. C'est pour cette raison qu'on tenait à faire cet événement-là aujourd'hui. On veut rendre hommage à tous nos enfants qui sont partis trop tôt. Parents d'ange, je veux aussi lancer un message d'espoir à toutes les personnes qui sont passées par là. Même si cette épreuve-là nous change à jamais, il est possible de se reconstruire, puis on est là pour vous accompagner dans ce cheminement.